Y a tout le monde ici, Concorax, au rapport pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo achat vide grenier, 5h du matin, on va rejoindre le poteau, le boya et on va aller faire des vides greniers dans les petits villages. On change un petit peu en ce moment de tout ce qu'on fait habituellement et donc ça va, je me suis un petit peu reposé on va dire, même si je suis assez éclaté. Donc on est en forme, on va y aller, on espère trouver de belles petites choses, toujours vous amener dans un endroit sympa, un peu différent, et essayer de voir s'il y a de beaux petits trésors, jeux vidéo. N'hésitez pas à rejoindre la toute nouvelle chaîne Conquerax en live, où je joue, où il y a toutes mes rediffusions Twitch, mes directs, mes lives, pour en discuter ensemble dessus, c'est vraiment sympa, on est encore en intimité, donc n'hésitez pas à passer dessus. Bonjour. Bonjour à tous. Tous les matins. Tous les matins, c'est notre devise maintenant. Je suis avec Boya, j'ai failli pas me réveiller. Bon, ouais. Je pense que ça a été... C'était dur de le réveiller. Il m'a appelé plusieurs fois, mais le téléphone était en silencieux. Donc ça fait plaisir de voir Boya pour faire une nouvelle semaine vide-grenier. Malgré que eh ben, cette semaine, fait, moi me concernant, pas très fortuné pour faire les vide-greniers, hein, on va dire. Mais je sais que Boya aussi, on est un peu... Comme ça vous savez où on va. Voilà, c'est Saint-Bournet, on va dans les villages. Voilà, et ça change un petit peu de Marseille comme toujours. On a vu que la dernière fois ça avait porté plutôt ses fruits. Ouais, c'était plutôt sympa, donc là on est allé à Roquevert, mais il y a déjà des potes et on s'est dit vaut mieux faire des trucs où il n'y a personne. Ouais, on va changer un petit peu, c'est plus sympa que de se tirer la bourre entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se tirent la bourre, comme d'habitude. Ouais, mais c'est surtout que voilà, toute l'année on fait les mêmes. Voilà, c'est ça. Donc on est là pour kiffer, puis on va voir si on trouve de petites choses bien sympathiques. Donc on fait la route, on a eu une vingtaine de minutes de route. Et on espère trouver de bonnes choses, on vous filme ça de toute façon, voilà. En direct. Du SNES en boîte, voilà. Du Neo Geo, voilà, des cartes mode de AliExpress. Voilà. Je sais qu'il y a un flash. Des contrôles, tout ce que tu veux. Voilà. Bon allez à toutes les amis. La boîte. Non, c'est sans la boîte. Ah, parce que l'Under, il joue beaucoup, moi, j'aime ah, sur la Wii. Ah, ça, la Wii aussi, j'ai déjà rendu. Combien les fait, la dame? Je sais pas, je vais pas demander. C'est nickel. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Ah non. Ah non. Il y avait des crashs pour ceux qui veulent jouer. Ah, il y a une autre. Regarde, il y a un petit. Excellent le Hercule. C'était vraiment un méchant jeu. J'avais adoré. Hein? Alors. C'est quoi? Verali, Luc. Johnny Hop. Verbatim. Verbatim. Yoanzio. Yoanzio. Abonnez-vous, Yoanzio. Bonjour. Hop. Ah, je me suis devant la Dreamcast. Disney Atlantide, Winter et Tomb Raider. Ça finit bien. Excusez-moi. Au revoir. Il n'y a plus de souli. Je parle pas à toi gros, toi tu as plus rien gros, c'est je vais pouvoir aller au fournil de Marie et je vais aller m'acheter un petit croissant pour terminer. Un vide grenier et franchement on est content. On est vraiment content, il n'y a pas chier. Pas trop de rétro. Non non franchement là par contre niveau next gen. Oh putain les gars, on leur dit pas la console. Non non non, on leur dit pas. On le dira sur le titre. Voilà. Alors ils savent déjà. Vous savez déjà. Non, franchement, on était refait parce que c'est rare d'en voir. Mais on a perdu surtout, beaucoup de sous là. Surtout des titres de cette qualité. Mais attention, par contre, on s'est bien fait laminer niveau. Ouais, c'était pas donné. C'était pas niveau aide. Mais quoi, franchement, quoi. Franchement, on peut pas se plaindre. C'était pas parce que on peut pas se plaindre parce que franchement, c'est des jeux de ouf. Ouais. Et des très très bons jeux où on se régale à jouer. Et bon, voilà, c'est une console quand même qui est sympathique quoi. Franchement, moi j'ai l'adore. Voilà. Donc maintenant on va aller se prendre un petit pain
au raisin. Au raisin, assez cerveau, ça rime, non mais j'aime pas le forêt. Et voilà. Donc j'espère que ce petit live vous plaît. Et n'hésitez pas, y a pas de stress, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, tes familles, tes familles. 'Est beau avec son lapin, Lint. Tu as vu, il a les yeux en chocolat en plus. Il a les yeux en chocolat comme toi, regarde. Tu vois? Ah. Ça, c'est pour Yo, ça. Ouais, mais Yo, il répond pas. Ouais, tu es énervé. Du coup, dernier vide grenier. Voilà. Donc, on est quand même content. On a trouvé pas mal de petites choses, même si on est un peu à sec. Tu vas faire la vidéo quand? Et la vidéo quand? Je sais pas. C'est demain ou après demain. Franchement, peut-être cet après-midi, ça va être un peu compliqué parce que j'ai prévu des choses. Mais j'aimerais bien. Ouais, je vais tenter. À voir. À voir. Tu sais ce que j'ai prévu. Donc du coup, on va aller voir s'il n'y a pas des dernières petites choses et après, retour à la maison au Vercaille pour le débriefing, débrief avec Mr. Reban. Regardez-le. Voilà, donc... Ah, il y a un petit Titi. Posé. Bon, allez, on y va, c'est parti. Bon, ben voilà, on va rentrer au Bercail. Eh bien, les vide-greniers sont terminés. Donc, pour ce dimanche matin, franchement content parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de qualitatifs. Des jeux qui manquaient véritablement à ma collection. Et ça, c'est top. Notamment sur une console, franchement, je suis super content. Et un autre jeu qui est la suite d'un jeu dont je vous ai parlé dans le top 10. Enfin pas dans le top 10 mais dans les 10 jeux GameCube pour moi incontournables. Vous verrez et j'étais super content de le trouver parce que ça me tenait à cœur. Et voilà, franchement très 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 bon retour pour moi, pour ma part. J'ai dépensé à peu près 35€, donc franchement quand vous allez voir les titres, vous allez vous dire que c'est top. Et voilà, Boya aussi a eu une bonne partie également. Donc franchement cool cool, j'ai hâte de vous faire le débriefing. D'ailleurs on va pas tarder, là je vois qu'il y a l'usine Heineken juste à côté hein, par ailleurs. Donc on va aller se poser à la maison, petit débrief tranquille. Restez bien accrochés, on découvre ce qu'il y a tout de suite. C'est parti. Yo tout le monde, on se retrouve pour le débrief. Je suis super content pour cette 45e vidéo. Vraiment, c'était un truc de dingue au niveau Nintendo. Des jeux que je n'avais pas et des jeux qui viennent compléter ma collection. On aurait dit que Shigeru Miyamoto veillait sur moi pendant les vide-greniers ainsi que sur Boya. Parce que vraiment, on est tombé sur un stand où une personne vendait des jeux, mais tout récents, vraiment tout récents, à bas prix, une dizaine d'euros le jeu. On a pris un gros gros lot, franchement, donc c'est fou, un truc de fou. Je suis super content des rentrées que j'ai fait. J'ai dépensé uniquement 35€. Voilà, c'est un petit peu moins que ma moyenne, on va dire, à 45-50€ pendant les vide-greniers. Mais franchement, juste géant, j'ai trop hâte de vous présenter ça. Donc vous allez voir, franchement, il y a du très très bon. Et si vous kiffez Mario et compagnie, franchement là, vous êtes servi là. Voilà, c'était dans un petit village, on a un peu changé de Marseille, ces environs, il y a vraiment énormément de monde et donc on est allé un petit peu plus loin et franchement ça a apporté ses fruits. Déjà c'était super sympa parce que quand on peut visiter comme ça un petit village, je vous ai fait quelques plans un peu larges dans la vidéo live, et ben franchement ça nous permet de découvrir des petites choses, je connaissais pas, donc je suis vraiment content et je le referai d'ailleurs celui-ci. Et donc du coup on a pu voir de nouvelles personnes puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui tiennent les mêmes stands etc à Marseille quand vous faites les vide-greniers au fur et à mesure. Et donc dès 6h du matin on tombe sur un stand mais de ouf furieux. Et pour tout vous dire, sur ce stand j'ai récupéré ça. Oui, vous rêvez pas, il y a de la Wii U, il y a de la Game Boy en boîte et il y a même un CD. Et franchement, quand vous allez voir les titres, c'est un truc de dingue. Je commence par vraiment le top du top, le Mario versus Donkey Kong sur Game Boy Advance. Complet, s'il vous plaît, complet.
avec sa boîte. Bon, il est simplement en version américaine, mais franchement, quand vous le trouvez dans un tel état, vraiment, bah, vous laissez pas passer, c'est un truc de fou. Et donc, j'ai pris un lot, puisque la personne avait des jeux Wii U, comme vous avez pu le voir. Et donc déjà, quand tu vois des jeux Wii U en vide-grenier, tu te dis, oh, putain, déjà que la console a pas été trop vendue, franchement. Et c'était en plus que des jeux qui me manquaient, j'ai laissé des autres jeux à Boya. Dans un premier temps, on avait le Captain Toad, et oui, le Captain Toad, franchement, qui est sorti tout récemment, je crois l'année dernière, donc... C'est ouf de le voir ici, et en plus moi qui adore, eh bien, Todd, l'univers Nintendo, yeah, bébé Todd, il est là. Et bien voilà, je suis trop content d'avoir pu le récupérer, mais ce n'est pas tout, là franchement c'est pour moi une très 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 belle affaire, puisque ce jeu là, dans les bacs, coûte encore excessivement cher, hein, comme toujours pour la franchise. Et bien il s'agit du Super Mario 3D Land, franchement je rêvais de me le faire, peut-être que je vais vous le faire en live Twitch, hein, qui sait. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Conquer Axe Live, puisque un jeu qui va venir là dans quelques secondes, eh bien, il va y avoir ses origines que je vais pouvoir streamer. Et c'était sur GameCube, vous allez voir. Et là, on tombe sur le Super Mario 3D World après le Captain Toad qui était dans ce bac. Et c'est un truc de dingue parce que ce jeu-là, eh bien, déjà, il me le manquait sur ma collection de jeux Wii U. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de jeux Wii U. Mais celui-ci, encore, je trouve qu'il est super cher dans les magasins. Difficilement, voilà, accessible à moins d'une vingtaine d'euros, 25 euros, même 30 euros. Et donc, du coup, j'étais super content. J'avais trop envie de me le faire depuis le temps. C'est le seul Mario que j'ai pas pu me faire encore de la série des Mario exclusifs, hein, on va dire. Une pièce, mais magnifique. Et enfin, New Super Mario Bros. You, voilà, qui est ici, et pff, trop cool, voilà, de pouvoir également le rentrer. Vous ne rêvez pas, il y a ces trois jeux Wii U, donc ces trois jeux Wii U, mais ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé, il y a autre chose qu'il y avait dans ce petit lot avec le jeu Game Boy Advance, vous allez voir. Il s'agit d'un CD exclusif au club Nintendo réunissant la bande originale de Super Smash Bros. Édition Wii U. Voilà, et donc franchement, c'est génial. Il y a 36 sons à l'intérieur et vous pouviez l'avoir que lorsque vous avez des points dans le club Nintendo. Donc franchement, le voir dans un bac comme ça, ça devait être vraiment un amateur de Nintendo qui vendait ça. En fait, c'était sa maman et je crois que c'était un jeune qui habitait dans un autre pays, au State ou quoi que ce soit, et qui vendait donc ces jeux qui étaient restés en France. Donc je sais pas si vous allez me croire, mais le tout pour 20 euros. Voilà, le tout pour 20 euros, franchement, on laisse pas passer, c'est impossible. Que des jeux que je n'ai pas en plus dans ma collection. Vraiment, je vous le dis, c'est voilà, j'ai laissé les autres jeux à Boya. Moi, c'était ces trois jeux qui me donnaient super envie. Et même pour 20 euros, tu les as pas, t'en as même pas un seul pour 20 euros de ces trois jeux. Donc c'est un truc de dingue, franchement, je suis super content. Je suis ravi, merci Shigeru d'avoir veillé sur moi. Merci Nintendo, voilà, je sais pas pourquoi je les remercie, mais bon, c'est pas grave. Mais franchement, pff, voilà, dingue, je suis trop content de ces vidéos. Je peux m'arrêter ici, je peux me barrer de cette vidéo et pas vous montrer le reste, parce que ça suffit. Bon non, ça va, je vous montre quand même ce que j'ai, il y a encore 2-3 petites choses vraiment sympas. Et toujours dans ce même vide-grenier qui était vraiment excellent, eh bien je tombe sur le génialissime Super Mario Galaxy 2. Et franchement, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? La semaine dernière, je trouve le Super Mario Galaxy 1, aujourd'hui je trouve le Super Mario Galaxy 2 qui est une pure tuerie, la suite donc de ce Mario où vous voyagez de planète en planète avec l'inertie, vous traversez un petit peu les planètes en fait en rentrant dans une étoile et vous partez super fort comme ça, enfin voilà. C'est juste un jeu génialissime de plateforme, une référence, vous devez vous les faire ces jeux-là, puisque si vous aimez un minimum le jeu vidéo, je pense que c'est voilà des classiques ultimes, en tout cas un des meilleurs jeux Wii, quoi qu'il advienne, voilà, pour moi, à mon sens, donc le Super Mario Galaxy 2 que j'ai eu pour la modique somme de 3€. Et là, vraiment aussi, je pense que c'est peut-être même le truc dont je suis plus heureux encore, même plus heureux que Super Mario 3D World, et oui, un truc de fou, puisque je tombe dessus, en fait, Boya tombe dessus, et finalement, il a décidé de me le laisser parce que je l'avais pas, et d'ailleurs, sur la chaîne Conquer Axe Live, je vais vous faire, eh bien, ses origines, hein, les origines de ce jeu-là, puisqu'il s'agit de... Luigi's Mansion numéro 2. Et non, vous n'avez pas envie de grenier, on peut trouver des jeux 3DS comme ça, c'est un truc de fou. Et surtout, je l'ai eu pour 5€. 5€ le Luigi's Mansion 2. Je suis trop content parce que j'ai pu me le commencer. J'ai adoré Luigi's Mansion, qui fait d'ailleurs partie de mon top 10 des jeux incontournables sur GameCube, si vous n'avez pas vu la vidéo. Et donc, justement, c'était une aubaine, j'ai trouvé ce jeu-là juste après cette vidéo-là. On aurait dit que, voilà, ben, je vous dis, Miyamoto m'a entendu, c'est un truc de fou, c'est un truc de dingue, je me répète, je vais vous dire que je me répète tout le temps, mais franchement, c'est du Nintendo à foison, c'est du Mario à foison, et pff, que dire, voilà, un jeu juste... génialissime, en tout cas cette série là pour l'instant j'ai commencé Luigi's Mansion 2 et franchement j'adhère, je retrouve cette ambiance que j'ai retrouvée sur le jeu GameCube, donc pff, vraiment trop content. Allez, on continue avec quelque chose qui est un petit peu hors sujet par rapport au jeu vidéo, un Blu-ray de la Ligue des Justiciers, voilà, que j'ai trouvé pour 1€. Je trouvais ça sympa, moi qui suis un gros fan des DC Comics, et bien je me suis dit je vais me faire plaisir, j'avais pas ça pour la collection et puis je me le mettrai en Blu-ray sur la Xbox tranquillement.
en me posant après les cours ou les études, des trucs comme ça, quand on a la tête bien arrachée, quoi. Toujours dans ce même vide-grenier, décidément, ce vide-grenier était dingue, voilà, de 6h30 jusqu'à 8h, on a tourné dans ce vide-grenier, après on s'est barré, parce que voilà, à un moment donné, faut aller voir un petit peu autre chose, mais franchement, on voulait pas partir, je vous le dis. Eh bien, j'ai trouvé deux jeux de PlayStation 1 pour 1€ pièce. Le Rayman en édition Platinum, j'avais l'édition normale mais pas la Platinum. Moi ça me dérange pas de collectionner les deux supports, surtout que les boîtes sont dans un état super. Donc rien qu'on voit de superbes boîtes comme ça, même pour la boîte ça vaut le coup. Et ensuite un jeu de catch, le WF Altitude Get It. Je l'avais jamais vu celui-ci, donc franchement je me suis dit bah, pourquoi pas le prendre à 1€ pièce. Franchement les deux jeux, ça valait largement le coup, quoi, hein, des jeux de play à ce prix-là. Dis-moi d'ailleurs Cyril, hein, si tu l'as pas ce jeu-là, voilà je pense à toi, ou Gorgul, si vous l'avez pas, bah, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez toujours que moi je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Et là on passe à la dernière trouvaille, vide-grenier dans un autre vide-grenier, ouf, on change enfin. Et ouais, parce que là franchement le premier vide-grenier j'avais pas besoin de plus, et je vous dis j'ai dépensé quasiment tout mon argent sur ces stands là, surtout le stand Wii U, franchement c'était un truc de fou. Dès 6h du matin, bah on était fauché, on avait plus rien, voilà. Là je tombe sur un sachet, et là j'ouvre le sachet, et qu'est-ce que je vois? Et je l'avais pas cette console. Une PS1, oui j'avais la PlayStation 1 normale, la PSX. Comme il l'appelait à l'époque, la grande PlayStation 1, mais je n'avais pas sa version slim, sa version mini édition. Eh bien, il s'agit de la PS1. Et bien, je suis content parce que ça, je vais pouvoir la filer à ma copine qui va pouvoir se tuer sur Spyro. Alors, en plus, ça prend pas de place, donc c'est top, c'est pour elle. Et surtout, quand vous savez le prix que je l'ai eu pour 2€ pièce. Il y a les câbles à l'intérieur, mais il n'y a pas les manettes. Voilà, mais 2€, franchement, une PS1. Comment vous dire, on laisse pas passer, franchement c'est juste un truc de ouf quoi. Et donc le bilan de ces vide-greniers, eh bien c'est à peu près 35€ de dépenser, vous imaginez, avec tous ces jeux, surtout Nintendo, c'est voilà, moi qui suis un grand fan de Nintendo, bah, je suis comblé, je suis trop content, j'aimerais trop avoir des vide-greniers comme ça tous les week-ends. Alors franchement j'ai plutôt quand même de très bons retours en général, mais là clairement c'est juste le sommet, et tous les amateurs du next-gen, de Wii U, de Mario, bah, je pense qu'il devrait apprécier ce genre de retour. Et maintenant, on va donc passer au cadeau de mes potes. Et oui, parce que mes potes m'aident toujours à compléter le full set GameCube. Un full set qu'on fait vraiment par passion. Et j'espère le terminer assez rapidement pour pouvoir vous présenter toute cette magnifique collection de jeux PAL. De 456 jeux, 457 jeux environ PAL sur GameCube. Oya qui a trouvé dans un lot ce jeu-là que je n'avais pas, le NBA Live 2003, qui est un excellent cru d'ailleurs. Et donc je peux le rentrer dans ma collection. Je te remercie Oya, parce que voilà, ça fait toujours une ligne de cocher. Et les jeux de sport comme ça, bah, c'est vrai que petit à petit, quand on accumule argent dessus, eh bien ça, voilà, ça fait une grosse somme à la fin. Donc voilà, je suis content de pouvoir le rentrer. Enfin, mon Francisco, je lui avais offert la famille Adams sur Atari ST que j'avais trouvé la semaine dernière, puisqu'il fait le full set la famille Adams, donc ça m'a fait plaisir de lui offrir. En contrepartie, lui, eh bien il m'a offert deux jeux GameCube, le Largo Winch que je n'avais pas, et également le ATV Quad Power Racing 2. Donc un jeu de quad, un Largo Winch qui n'est pas top d'ailleurs, mais un jeu de quad qui est vraiment excellent. Et donc du coup, eh bien vous avez la liste du full set en bas comme toujours dans la description, qui est mise à jour en direct, en réel. Voilà, vous pouvez voir un petit peu où j'en suis avec moi, et grâce à vous également les abonnés, puisque vous m'avez fait beaucoup de cadeaux GameCube. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Franchement, c'était un pur régal pour moi de faire ces vide-greniers dans ce petit village, de trouver de tels jeux, de telles perles. Je suis trop content parce que ça me garnit vraiment la Wii U, et je vais pouvoir me tuer dessus, peut-être vous faire des lives sur Twitch, sur Super Mario 3D World ou autre jeu. Mais en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Conquerax Live, également la page Twitch Conquerax, puisque sur la page Twitch, vous me verrez en direct, sûrement sur la page YouTube également, parce que j'essaierai de faire des directs dessus, et je vais lancer la série Luigi's Mansion sur GameCube. Voilà, un jeu mythique, je voulais commencer par un jeu de mon top 10, des jeux incontournables, et franchement, c'est la première fois que Luigi est le héros dans un jeu, donc pour moi, c'était important de le faire. Venez vous abonner, merci à tous, à toutes et tous pour vos retours qui sont toujours géniaux. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne, la chaîne principale, bien entendu, puisque vous êtes toujours de plus en plus nombreux, ça fait trop plaisir de vous accueillir, voilà. Également, la page Facebook, la page Twitter, la page Snapchat Conquerax, si on veut un peu plus d'intimité entre nous, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais une très grosse bise, et je vous dis, jouez bien, collectionnez bien, et surtout, régalez-vous, voilà, prenez pas le chou. Bye tout le monde.